À présent, comment entrer facilement dans l'eau alors que la température de la mer ne dépasse généralement pas les 20 degrés? Il y a les courageux et puis il y a les autres. Si vous faites partie des frileux, c'est ça. Pierre-Baptiste Vanzini a dégoté pour vous une solution, explication et reportage sur les plages de l'Atlantique. Cela s'appelle l'iSwim. Ça n'a rien à voir avec un gadget high-tech. C'est en fait un compromis entre le maillot de bain et la combinaison, une sorte de vêtement de bain qui laisse uniquement les jambes, les mains et la tête nues. Et dans les eaux de l'Atlantique, particulièrement froides cette année, c'est un vrai coup de pouce pour les baigneurs comme Edouard. J'y serais pas allé, hein. Et avec ça, c'est génial. C'est vrai qu'on gagne 4 à 5 degrés. C'est super. Eric, lui, avait totalement renoncé à la baignade. Ça va changer. À mon âge, on est plus prudent. On fait attention, on y va d'abord un petit doigt, après un pied, après une main. Et il faut un quart d'heure pour rentrer dans l'eau. Là, vous avez vu, je suis rentré tout de suite. Sympa. Alors, comment ça marche? Explication avec Denis Viraud, le créateur du vêtement. C'est un complexe de trois matières. La première, ça, c'est un polymère isolant qui fait 0,7 mm d'épaisseur, qui permet d'avoir donc la protection thermique. Et aux extrémités, on a contrecollé avec un système un peu complexe du polyamide et du polyester. Exactement le même tissu qui compose tous les maillots de bain qui sont sur la plage. On a un confort au toucher qui est incomparable. Et comme c'est du tissu, toutes les fantaisies sont autorisées, ce qui séduit plutôt Elisa et Eric. C'est classe parce que d'habitude les combis elles sont toujours toutes noires et c'est pas forcément très élégant. Et là, pour une fois, ça change quoi. On peut se promener à la plage avec ça sans être un voleur d'un pingouin quoi. Mais la chaleur a un prix aux alentours de 200 euros. La boule, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1. On termine avec un mot de tennis, oui. Vous voulez non, ça peut être pas mal pour tous les frileux. Oui, puis ça vous ira très bien, j'en suis sûr. En tennis.